Et salut mes petites momies, c'est Théos, on se retrouve aujourd'hui sur le dernier Battle Royale sorti en juin par la société iRes. iRes, pour ceux qui s'en souviennent, hein, bien sûr, c'est Smite, c'est Paladin. Là, ils viennent de sortir Real Royale. Alors, un Battle Royale un petit peu différent puisque vous avez un système de classe qui est innovant par rapport aux autres et de craft. Alors, premier reproche, on va le faire play. Voilà, premier reproche, c'est là, j'ai choix entre duo et squad, je peux pas jouer en solo. Personnellement, je trouve que ça manque un peu. Alors, le petit poulet que vous voyez traverser, c'est ce que vous allez devenir quand vous êtes touché, quand vous êtes mort en fait. Vous avez 30 secondes en poulet, vous n'avez pas le droit de vous défendre, enfin vous n'avez pas d'armes, vous pouvez pas être soigné et vous devez survivre 30 secondes avec un joli drapeau repérable à 100 mètres et vous faites vous caqueter, ce qui fait qu'on vous repère de très loin. Si vous survivez 30 secondes, vous revenez dans la partie. Si vous êtes achevé, game over. Donc voilà, choix de classe, donc guerrier, ingénieur, assassin, mage, chasseur. Chaque classe, donc vous avez droit à deux armes et deux spécificités de classe qui sont marquées en bas. Donc une tourelle, un bouclier, vous allez quoi plus vite, plus de potions, envoyer un filet, envoyer une boule de feu, un mur de glace. Ah, moi j'ai fait ingénieur. Donc là j'ai un assassin devant moi. Alors, les parties sont pas forcément toujours à 100 joueurs parce qu'il n'y a pas du monde tout le temps. On voit la carte qui est assez grande. Moi j'ai marqué quoi, I7. Chaque truc que vous avez là, c'est une forge. Donc la forge va vous permettre de crafter des items que vous allez pouvoir récupérer dans des coffres en jeu. Donc ça a l'air compliqué mais vous inquiétez pas. En regardant, vous allez vous apercevoir que c'est relativement simple. Allez, on saute. Alors, je mets un point de chute un peu loin, comme dans beaucoup de Battle Royale, de la zone, tout simplement, parce qu'il y aura moins de monde. Il y a déjà deux qui sont devant nous. On va essayer d'aller à celle-là de maison, et de voir si on a du stuff. Voilà, premier coffre, une arbalète, alors c'est pas mon arme favorite, je vais pas le cacher. Vraiment pas fan de l'arbalète. C'est des adversaires, je vais essayer de voir pour les prendre à revers. Voilà, pistolet à... Et là, tu le laisses vivant. Donc voilà, chaque fois, vous avez vu, je peux les enchanter avec la touche X de mon clavier. Alors, ça me permet tout simplement de pouvoir crafter quelque chose. Hop, je prépare. Là, j'ai que les armures. Personnellement, je garde un petit peu, ça sert à rien d'y aller tout de suite. Ouais, quelqu'un, je l'ai vu pas loin. Chier. Il les enchante tout,
Et puis toi, si t'as rien, bah... On va rester à côté parce que je suis en train de me forger quelque chose. Hop, avec le H. J'ai mulé, vous avez pu voir, j'ai aucune capacité de classe. C'est un peu la merde. C'est même carrément la merde. Mais j'en suis quand même à 3 kills. Ce qui n'est pas trop mal. Donc dans 18 secondes, le nuage arrive. Alors le nuage par contre, chose importante, il prend en premier l'armure et après vos PV, donc si vous avez full armure, ben, vous pouvez survivre un petit peu, donc, ce qui fait qu'on va rester un tout petit peu plus longtemps. Voilà. The fog sets in. Voilà, c'est pas la meilleure que j'ai. Voilà, je tire une zone enflammée. Wait. Bah wait, quick. Mais le mec il désenchante tout après tu... wait, man. Bah ouais, mais quick. Move your ace. Allez, on se bouge, on se bouge. Alors bon, on va pas trop à stresser parce qu'on est quand même pas très loin de la zone. Je vais juste aller voir là aussi, il y a des choses parce que... Bah, ouais, on est encore limite, hein. Ouais, tout a été fouillé. Ouais, on voit bien que c'est un alpha parce qu'il y a encore... Super, le type laisse complètement tomber. Il s'en bat les couilles. Ils ont joué, il a joué super en équipe. Ouais.